Bonjour les enfants. Coucou Mélion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Seigneur. William Seigneur. Je suis à citation. Seigneur William, a.k.a. Papa Soleil. Qu'est-ce que c'est pas? Je le dis encore ici tous les jours et je vais le dire tant que ça n'ancre pas dans vos ciboules, je vais le répéter encore, encore et encore. On y va. Je t'ai dit que je voulais plus entendre parler de toi, non, Seigneur. C'est le diable qui manifeste. Je me demande même souvent si les gens ont le cœur. Quoi? Je me demande souvent si les gens ont la pierre à la place du cœur. Pourquoi? Si c'est aujourd'hui, si tonton Sangou n'appelle pas la belle, la mère de Gloria, pour qu'ils partent arranger leurs problèmes. Moi, je vais enfiler ma casquette de blogueuse. C'est-à-dire? Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non, moi, ça me dépasse. J'ai ton message ici. Si moi, je dois 5 francs à quelqu'un, qui me porte plainte? Comment ça? Moi, je comprends rien. William Seigneur, je t'ai écrit. IB, ça veut dire inbox. Tu m'as envoyé balader. Me voici sur Facebook. Quelque chose que je n'aurais jamais voulu faire, car je suis une personne qui n'aime pas le buzz. Attendez, je bois ma première verre. Qui n'aime pas s'afficher ou me mélanger dans les commérages. Mais j'en ai marre d'être abusé de gauche à droite. Et de toujours me sacrifier et produire mes contenus. L'argent sans jamais réellement recevoir cela. L'histoire vient me retrouver sur Facebook, vous demande que je touffe, je suis l'étouffeuse. Jamais. L'histoire vient me retrouver sur Facebook, je touffe quoi? Point d'interrogation. Donc c'est avéré. Tu es passé mettre dans la d'escroquer des comédiens William Seigneur. C'est tout ce qu'il a dû à faire aux gens qui vient le retrouver aujourd'hui. Tu étais condamné avant de cassage du boule de tes comédiens, donc abus sur tes comédiennes. Abandon d'enfants, donc fabricage d'enfants et abandon, donc tu profites de la faiblesse de tes comédiens. Mon frère. Je croyais qu'on avait réglé ce problème. Ça fait des années et des années et des mois. Et tout ça, c'est elle. Tout ça même, c'est la mère de Gloria. Tout ça, c'est elle. Donc, la mère de Gloria t'envoie un message pour te dire qu'elle t'a écrit IB. Tu n'as pas répondu. Tu l'as envoyé balader. Vous allez vomir. Comme je sais que derrière toutes les manigances de Seigneur, on dit que derrière chaque grand bandit, se cache une grande bandite. C'est-à-dire? On dit que derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Donc derrière chaque grand bandit se cache une grande bandite. Jésus! Le problème est plus complexe que ça. Comment ça? Ça fait des années qu'elle réclame son argent. Ah bon? Elle est allée derrière que pardon papa sou Nkaba. Pardon papa sou. Le gars a fait la sourde oreille. Oh, c'est pitié incroyable! Prendre soin de ses proches restés en Afrique, savoir qu'ils sont en bonne santé grâce à une alimentation saine, variée et constante, est une préoccupation qui te tient à cœur. Cependant, tu hésites quand tu te rends compte que l'argent que tu envoies à ta famille pour la ration alimentaire est souvent utilisé pour autre chose. Sache que grâce à la plateforme Easy Market, depuis chez toi dans la diaspora, tu peux faire des courses pour tes proches restés au Cameroun, et nous livrons en 24 heures. Tu y trouveras une grande diversité de denrées alimentaires ainsi que de produits de première nécessité. Sur Easy Market, c'est 100% satisfait du service ou remboursé. Alors n'hésite plus. Rends-toi sur www.easy-market.cm et fais le plein du frigo pour ta famille. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.